Sir JP. Par les temps qui courent, notre musique d'ici est riche et personnellement, je la trouve très, très précieuse. Et chez nous, à Radio-Canada, ben, notre musique d'ici, on la savoure puis on l'embrasse à tous les jours. Et c'est pour ça qu'on salue les finalistes aujourd'hui dans la catégorie auteur-compositeur-compositrice de l'année. Les nommés sont... Lou-Adriane Cassidy, Alexandre Martel. Pour Lou-Adriane Cassidy, vous dit bonsoir. Je ne suis pas très loin, atteint ici. Lisa Leblanc, Benoît Morier, Michel Roy, Léandre Bourgeois. Pour Chiac Disco. Pas faire aujourd'hui, je pourrais faire demain. Salomé Leclerc, pour Mille ouvrages, mon cœur. Je sais que la vie prend de l'avant. Hubert Lenoir, pour Pictura de Ipsy, musique directe. Vincent Roberge, Félix Petit, pour Crash. On aurait dû en rester là. Et le Félix va à Hubert Lenoir, pour Pictura de Ipsy, musique directe. Merci, fuck, merci pour vrai. OK, je veux dire, ça va prendre plus que 42 secondes, for real, là. Crissez-moi patience. Mais ma mère m'a fait une surprise, puis elle est là tantôt. Elle est venue, elle m'a vu tantôt, puis je savais pas qu'elle allait être là. Merci. Merci d'être là, maman. J'ai préparé quelque chose parce que je suis pas capable de parler, fait que je vais juste le lire, OK? Autant compositeur à écrire des chansons, je pense que tout le monde écrit des chansons à longueur de journée sans s'en rendre compte. Je pense que peut-être mon plus grand talent, c'est d'y être attentif. D'enregistrer la musique des choses, les pulsations du monde, les mots et les rêves des autres, ça m'a permis d'être invisible et invincible. Ça m'a donné la permission d'être moi-même. J'espère que ça aura donné aux autres la chance de se voir comme des sujets dignes de temps et d'attention, l'opportunité de se voir sous une autre perspective et de voir les transgressions possibles. J'espère que ça continue de le faire. Bientôt, nous aurons tous à choisir entre le bien et la facilité. Ceci est un hommage au romantisme et un refus à l'inertie. Props à mon deep throat en 2018. Ceci est un hommage à l'humilité et à l'ambition et au refus des conventions. Bonne fucking fin de soirée, tout le monde.